Et moi une autre, évidemment. Regarde Ferré. Oui, j'ai vu. J'ai vu Ferré embrasser une fille. De toute façon, n'importe quelle fille est mieux que Karim. Ouais, vas-y, mec, tu gères. Bravo. Un baiser par-ci, un autre par-là. Il y a des bombes partout. Alors, on fait quoi? On le dit aux autres ou pas? Ils ont tous chopé une fille à un moment dans la soirée. Sinon... Non, on dit rien, on dit rien. Mais nous, on est... muettes comme des carpes. Au bout d'un moment, j'ai vu une fille qui me plaisait plus ou moins. Et le loup est sorti de sa tanière. J'avais attendu ça toute la nuit. Quand elles vont la prendre, si elles la prennent un jour, je n'irai tout en bloc. Sans Elytra et Karim, la soirée s'est super bien passée. C'était parfait, on s'est amusé. Maintenant, on sait tous qui sont les harpies qui nous pourrissent toujours les soirées. Allez, on s'en va, les gars! On est parti, tout se passait bien. Tout le monde s'entendait bien. On était tous complètement faits. On est rentrés en chantant, en criant. La promesse du petit doigt, pour moi, c'est la vengeance du petit doigt. Je vais m'en servir pour faciliter un peu la vie à mes potes et faire chier un peu les filles. Alors, rien. Ils ont rien fait? Rien. Ils ont parlé de nous? Ils ont demandé où vous étiez. Elles sont où? Pourquoi elles nous abandonnent? La promesse du petit doigt a été un échec.